maison mais vous les avocats. C'est ça. Vous êtes venu la maison vous les avocats. Vous qui les avocats, vous venez de la maison vous défendre les avocats. Vous qui les avocats. Prenez-moi. Vous qui les avocats. Le loyer il ne paye pas. Maintenant il a trouvé la cassette. Il m'a les avocats. Il m'a les avocats. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. J'appelle mon huissier. J'appelle l'huissier, il vient constater. L'huissier va le constater, va constater le changement. Ils se prennent la tête. Ils se prennent la tête. Et ils sont obligés pour le loyer. C'est-à-dire, il paye quand il veut. Il habite, il est là. Quand il veut, il paye. Quand il ne veut pas, il est à l'aise. Donc, ils sont dans le patrimoine de leurs parents. J'ai quel âge pour être leur bailleresse? C'est des vieilles personnes. Ils sont dans les studios et les chambres. Ils se prennent la tête. Ils sont là. Ils vivent bien, ils mangent bien. Ils font leurs enfants dans mes maisons sans payer le loyer. Qui est là? Qui est là? C'est quoi cette histoire là? C'est quoi ce mauvais entretien dans mon camp comme ça là? C'est quelle jalousie ça? C'est quoi ça? Vous ne désherbez pas, vous ne faites rien. Qui est là? Je pars d'ici quand j'ai besoin de loyer. Ouais. Libérez-moi le plus tôt. Voilà votre poubelle qui est fournie. Voilà les ailes de dinde. Voilà les tomates, voilà les persil dans la poubelle. La poubelle là, c'est moi la... je ne mange pas. C'est la poubelle. Non, 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 j'ai fait ça pour résoudre mes problèmes pour manger. Je ne suis pas venu ici pour la parole. Donnez-moi mon argent, monsieur. D'accord, je vais voir ce que... Bon, maman, c'est comment faire, hein? C'est bon, écoutez même alors, hein? Ce qu'on va faire, c'est que... Bon, il faut d'abord que je baisse mon chèque, hein? Vous buvez quelque chose, hein? Si, Anna. Voilà, donc on part d'abord quelque part, vous vous asseyez, hein? Ah, j'arrive, pardon. Hein?
Laissez-moi la porte ouverte, ce n'est pas votre porte, vous me l'attendez. Laissez-la, ne fermez pas. Je n'ai pas fermé, c'est juste que bon, c'est le réflexe. C'est le réflexe. Ma tantine, quand c'est que vous êtes alors nerveuse comme ça, calmez-vous. Ici au quartier, si vous voulez savoir, tout le monde va savoir que je ne paie pas le loyer. Je ne vais pas savoir. Hein? Je ne gère pas le quartier. Je gère mon loyer. Je paie les impôts. C'est avec cet argent de loyer que je paie les impôts avec. Je paie les impôts avec l'argent de loyer, je fais comment? Mon temps court. Oui, maman. Vous me suivez, non? Vous avez qu'à me donner un pot. Oui. Allons-y. Quand vous pleurez, vous vous énervez. Est-ce que une maman ne doit pas s'énerver? Ouais, ok. Allons-y. Je vais faire ce que vous connaissez. Allons. Est-ce que tu es volé? Allons-y. Vous n'avez pas volé, c'est pas vous me suivez. Hein? Quant à vous. Quant à vous. Vous. Quant à vous. Le rendez-vous sur le 23. Quant à vous. Je ne vais pas marcher derrière vous. Mon OM est ouvert. Mon OM est ouvert. Je vous attends le 23. Donc appelez-moi le 22 déjà. Si vous êtes sage. On y va. Je vous suis. Vous nous fustez ici au calme. Je suis désolé, vous suis. Regardez le camp. Regardez. Je ne viens pas. Je ne me fais pas la leçon de morale. Je ne peux pas. Ne me fais pas la leçon de morale. Je ne suis pas sur la leçon de morale. Je suis sur mon loyer. Je suis sur le loyer. Je suis désolé pour vous, monsieur. Je suis calme. Je n'ai pas plus confiance. Non. Allons-y. Non. Allons. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Mais le loyer. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Ne faites pas la leçon. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi. D'accord. Allons là-bas, vous pouvez la bonne idée. Votre plainte est déjà au 7. Au 7. Oui, bien sûr. Ouais. Votre plainte est au 7.